Yeah, man! Qu'est-ce que t'as là? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on reçoit une Epiphone, pas n'importe laquelle. Epiphone édition limitée slash signée de sa main, on vous montre ça maintenant. Il y en a combien des mêmes dans le monde? Il y en a 100 dans le monde. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Qu'est-ce qu'on a là? Vous avez un case Epiphone avec le logo de Slash dessus. Êtes-vous prêt? Oh yeah. Oh baby. Donc ce que vous avez avec cette guitare-là, vous avez la guitare, vous avez le case, vous avez une strap. Débile à stud. Une strap de Slash. Une strap de Slash. Yeah. Et vous avez ici, je vais vous montrer ça, le certificat d'authentification. C'est signé par le président d'Epiphone avec le numéro de série. Avec une belle photo de Slash. Avec la guitare des mains. Nice. Exactement. Ce que vous avez ici, dans le fond, c'est la signature de Slash, le numéro. Donc il y en a 100 dans le monde. Nous, on a la 16e. Ça sent-tu le rock? Ça sent le rock. Donc pour être plus spécifique, ici nous avons une Epiphone slash Anaconda Burst Standard Pro Outfit signé. Donc outfit pour le case, la strap et le certificat d'authentification. Donc tout d'abord vous avez un top triple A érable tigré flame maple. Ensuite le manche et le body sont en acajou et le body est chambré. Vous avez une touche en ébène. Vous avez deux pick-up Seymour Duncan slash signature, les APH2. Et le modèle inclut aussi des strap-lock. Dans le fond, ce que je vous dis, c'est que si vous la voulez, cette guitare-là, au Canada, il y en a seulement 6. On vient d'en savoir. Je l'ai dans les mains. Succursale à Saint-Roch, Denis Musique. Next part.